Grenade, grenade. Donc elle est en train de caper B. Wow! Yo les marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Beyond the Wire, le nouveau FPS sur la Première Guerre mondiale développé par Redstone Interactive. Il sera disponible au prix de 29,99€ sur Steam à partir du 21 octobre. Il va sortir dans un premier temps en accès anticipé et je vous invite à regarder ma vidéo de présentation sur le jeu pour ceux qui veulent en savoir plus. En attendant, je vous laisse avec une grosse vidéo de gameplay tournée en live sur Twitch avec la communauté FR de Beyond the Wire France. Mais juste avant de vous laisser regarder cette vidéo, je sais que beaucoup d'entre vous vont me poser la question: est-ce que Beyond the Wire est meilleur que Verdun? Je ne dirai pas que Beyond the Wire est meilleur que Verdun, je dis juste que si vous avez aimé Verdun, vous allez adorer Beyond the Wire. Bon visionnage. Il va falloir qu'on attaque Charlie. Ah merde, j'ai pris quoi, une grenade? Thank you guys, thank you dude. Oh, il a esquivé lui. Ça monte sur B là, sur l'église. Bon, vous avez vu, j'ai mis un coup de baïonnette, ça a tapé le mur, donc du coup il faut faire super attention à ça quoi. Don't give up, don't give up. Watch out, they're all going fucking east. Northeast. Ok, j'ai relevé un gars. Oh, on est un peu trop dans la maison. Donc là, on a capé Charlie, nice. They're on the building. Donc pour l'instant, là, si on tient, si je dis pas trop, faut tenir 6 minutes. Il y a pas mal de contacts à nord. Ok, reçu. Non. On doit tenir 6 minutes. Si on tient 6 minutes là, on va pouvoir progresser. Regarde, j'essaie de repérer les Français là. RIP de 526, je vais. Ok. Voilà, c'est juste que je suis asthmatique, du coup j'ai du mal un peu à courir, mais j'arrive. Ouais, bah Medic il va attendre. Bien joué la grenade là. Ils sont en 330. Fais gaffe, on a du monde nord-est. Ça arrive nord-est. De Charlie. Merde, j'ai tiré dans la pierre. Le truc c'est de pas courir n'importe où. Du coup on va à l'église tout ou le reste défendra A. Sur Charlie ça arrive nord-est hein. Bah franchement la restée super C là. Ok, Dorspood. Le mec là qui est planqué par là. Il est là.
Grenade. Je sentais. Il y a du monde à l'est. Je recharge. Nord-est, il y a du monde encore. Dans les tranchées là. 60. Bâtiment brique rouge aussi en 105, il y a du monde. On est enfermé là-dedans là, on est bloqué. Oh là, la stamina, j'ai du mal à viser. T'as pas eu grenadier là. Ok, traité. Ça arrive encore derrière la maison brique rouge là en. C'était mort lui. Dans le doute, on tire. Il doit être un minimi. On en tient pour l'instant là, mais on est trois là-dedans, là, imaginez. On est trois dans cette petite maison. Non, Tibidosh, il y a Tibidosh, les maisons qui peuvent pas être détruites. Non. C'est le même moteur de jeu, je sais qui a posé la question tout à l'heure d'ailleurs. C'est le même moteur de jeu que Squad et Post-Scriptum, hein. D'accord. Donc, tant que Squad pourra pas faire certaines choses, les autres non plus. Parce que Squad est un petit peu avancé hein, par rapport à l'évolution en fait de l'Unreal Engine. Putain, il y avait du contrairement à Post-Scriptum, là c'est vraiment. Ok, je recharge. Contrairement à Post-Scriptum, là c'est vraiment. Enfin, comment dire. Post-Scriptum dépend des mises à jour de Squad. Et pas Beyond the Wire. Enfin, je crois pas en tout cas. T'as eu les smokes là? Comme un peu bourrou, ouais, tu peux, mais après, avec la stamina, tu pourras pas. Ça tient ou c'est vraiment la merde? On se fait attaquer nord-nord-est sur C, mais ça tient pour l'instant. Ok, je pense que je vais venir là. S'il y a un mec qui peut venir sur moi pour approcher le rallye. Bon là il reste une minute et après on va pouvoir passer à l'attaque de la prochaine position. C'est vraiment pas évident, je vous l'ai dit, c'est de prendre le coup du viseur en fait qui bouge énormément. Il y a une petite grenade qui vole là, je sais pas. Voilà, c'est pas une petite grenade. C'est le canon en fait. J'espère qu'il est avec nous ce canon. C'est notre artillerie. Ouais, c'est notre artillerie. Ça vient de notre dos quoi. Mini franchement c'est plus complet. Alors je parle pas en termes de contenu pour l'instant, donc c'est l'early access, donc pour l'instant le contenu de Verdun est plus important. Mais en termes d'immersion, de gameplay, de communication, de jeu en équipe, il est au-dessus de Verdun. Franchement, clairement c'est. En 70 encore il y a du monde là. Ça arrive au loin là. Allez, on tient 14 secondes. Si vous avez adoré Verdun, vous allez adorer Beyond the Wire. Franchement, je peux que le conseiller. De ce que j'ai vu en tout cas, je peux que le conseiller. Ouais, j'arrive. Oh putain! J'ai plus de bandage. J'ai pas de bandage, j'ai plus de bandage. Les gars, vous qui avez un bandage, s'il vous plaît. Bandage, please. Ah putain. Je suis mort. Les gars, occupez-vous des objectifs. Ouais, le sifflet, en fait, c'est le centre, là, pour l'attaque. Le leader qui peut l'activer, Adriben. Faire
un rallye. Je respawn et on placera un rallye. S'il y a quelqu'un qui spawn avec moi. Tu veux respawn là. Attends, je vois pas. Fais voir la map. Ah, il y a des petits bugs encore, hein. Attends, c'est quoi? C'est toi le squad leader RIP? Attends, je vais changer, je vais give up. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ah, c'est toi le squad leader, vas-y, je vais relever. Hop. Et je vais respawn assaut avec le Land Spell Store. D'accord? Donc là, j'ai ma petite masse. J'ai mes grenades, mes grosses grenades pour l'assaut. J'ai ma pince, ma pelle pour construire des fortifications ou des canons ou autres si je peux aider les copains. Et j'ai mon échelle. Donc là, la pelle, elle va me servir à construire les choses. Bon, allez, hop. On va essayer de progresser tranquillement. Donc vous avez vu, là, on a capturé la position. Maintenant, on se déplace vers l'est. Je peux frapper avec la pelle? Non, 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 non. On peut mourir de ses blessures. Ouais, Gono. Il y a des jumelles. C'est pas pour regarder la voisine d'en face, promis. Un mec sur le. Ok, c'est bon. Donc là, par contre, il va falloir vraiment que j'aille au contact. Là. Ça sera plus efficace d'avoir cette arme si on attaque dans les tranchées. Vous voyez ici, par exemple, c'est une bonne position pour mettre une MG quand on est de l'autre côté. Je vais progresser tranquillement. On attaque quelque part. On a plus de points à caper là. C'est. Je vais remonter la tranchée. Je le vois pas sur la map, il y a trop de monde. Ah si. Bah il est sur moi le PC là. Je le vois, je suis derrière toi et c'est pour ça. Ok, j'arrive. Bon, ça a déjà bien progressé dans les tranchées là. Non, Agonos, non, non. Marqueur observation, il y a des mecs derrière le bunker. Ok, reçu. Oh putain. On a pris l'artillerie du commandant quoi. Salut Crotalus. La barre de menu ressemble à celle de Squad. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Comme c'est KP, il finit ici de KPE, puis après on descendra sur F. Beaucoup de similitudes. Ok. On a perdu notre rallye. Les frères rouges. Ah bah j'ai rien dit. Il y a un truc de gaz qui m'étouffe. Là je suis au sol donc je pourrais pas en mettre. Ouais pareil, moi je suis tombé avec toi là. On a pris l'artillerie. Je me suis fait défoncer. De toute façon il y a du gaz donc si j'ai pas de gaz, masque à gaz. GG, appuie sur G. Ouais, Jean Moula, essaye de remonter sur Moyet Tipex comme ça on pourra placer un rallye. Ok. Ah bah. T'es plus là. Bah non, je me suis fait exploser par le gaz. Ah! Mais normalement, tout le monde a un masque à gaz. Appuie sur G, t'en as pas? Non, j'en ai pas. Il y a certaines classes qui n'ont pas de masque à gaz, d'accord. Ouais, on est comme ça, la discrimination quoi. Ouais, bon, au final, défendez. Défendez CDE. Y'a plus personne dessus. En 5, j'ai. Donc là, vous avez vu, on est en train de faire de Bravo aussi, au nord. Donc là vous avez vu, hein, on doit caper tous les points dans la tranchée, enfin le maximum, regardez en haut en fait. Celui qui a le plus de points capturés au terme des 4 minutes 45 va pouvoir progresser dans la position ennemie. Bon, au final on va attaquer comme ça sur... on va partir pour le nord, là on va attaquer B. Fais gaffe, il y a l'artie qui tape au spawn naturel. Hein. Je vais give up. Ok, je vais spawn là, ok. Allez, on part à l'est. Ah, ça y ressemble un petit peu. Bon, là, ça doit être allemand, ça. Albion.
allemand ça, Gonos? Est-ce que tu connais? Bon, c'est, j'allais dire, ça ressemble un peu au taxi quelqu'un de la marne. Quelqu'un qui se rapproche de moi là pour qu'on mette un rallye. Si t'es pas en combat, je peux spawner sur toi dans 10 secondes. Je suis avec toi. C'est FR ça? Ah ouais? Je suis là. Bah, c'est pour ça que ça ressemble du coup. Et je suis médecin. Albion, c'est un jeu, oui, je sais, Albion. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas? Vous êtes sûr que notre allié est détruit là? Wow! Bah, détruis-le, sinon tu peux le détruire. Appuie sur T et en bas à gauche, la détruire, rallye. Si jamais il en reste un. Oh, le moulin il va pas faire long feu. Attention, il y a le canon. Canon, il est sud-ouest, sud-est, pardon. Derrière le moulin. Sud-est du moulin. Vous avez vu l'obus là qui vient de passer? Ok, on va passer dans les tranchées. Le canon va nous passer au-dessus. Les câbles téléphoniques là. On va détruire le canon. Salut Azazel, ça va toi? Je vais essayer de reprendre A là sur. Il y a le moulin là, faut essayer de récaper. Ouais, là on est sur B, on commence à cap. Ok. Ah, le canon dans mon dos, le canon. Ah ouais, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû passer par là en fait. Jamais. J'ai pris beaucoup trop de risques. Remac. Bah écoute, ça se passe. C'est pas mal. On est en train de les faire reculer. Je vais give up, ça sert à rien que j'attende là sur toute cette position. Personne qui va me relever, étant donné que derrière moi il y avait le canon et le. Et en plus une chaucha, je pense, ou une MG, je sais pas. Des fois on peut respawn des fois sur le leader. Bon, là c'est pas le cas parce qu'il est en combat, mais parfois c'est possible. Regardez-moi tous ces trous d'obus là. En fait, les maps sont vraiment pas mal parce qu'on sent qu'il y a eu la guerre, quoi. Elles sont bien faites. Celle-ci, je l'aime bien. Il y en a une de nuit qui est magnifique. Après, quand on va la faire, j'espère que vous pourrez bien voir sur le live l'ambiance en fait de nuit. Un peu comme la map Champagne dans Verdun, d'accord? Mais après, le seul truc, c'est que de nuit, sur le live, des fois, c'est un peu plus sombre. Et je vais essayer de monter dans le bâtiment. Je vais essayer de le relever, lui, ou pas? Là. Don't give up. On n'a pas de rally point, les gars. Bah, c'est pas vrai, j'ai l'impression que c'est un peu bugué, les rally. J'ai pas, le rally point avec... Un mec. Bah, du coup, je spawn nord, donc... Ok, non, y'a un médic, c'est bon. Hop, fais ton job, garçon. Faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me suive là pour mettre le prochain rallye. Il y en a qui est en train de teaser. Ah, oui, d'accord, c'est une mitrailleuse. Ok, on va monter. Y'a quelqu'un d'en haut ou pas?
C'est juste une question comme ça. Non, ça va? J'arrive, squad leader. Donc c'est de l'autre côté qui se passe. Du coup, je suis sur Alpha, mais... Ah, j'avais pas vu. C'est bon, on les a fait reculer. Donc ça, ça a été construit, hein, je pense. Hein. Tu regardes la position du... Oh, franchement, j'en sais rien. Est-ce que c'est déjà dans le moulin ou pas? Je ne sais pas du tout. Je vais voir ce que moi je peux l'utiliser. Je pense qu'il faut être de la section MG pour l'utiliser. Donc voilà, j'ai pas suivi. On doit progresser tout simplement. Calmez-vous, ça arrose. Je vais descendre là-dedans. Là. Oh, l'obus qui vient de passer, ça pète. Faut la mettre. Vous avez vu, hein, ouais, c'est vraiment de la guerre de position. Hein. On attaque de tranchée en tranchée. On les fait reculer jusqu'à leur QG. Où est-ce qu'ils vont, les garçons? Ah, ils essaient de mettre leur allié. D'accord. Cette KPA du coup avec Ninja Gaging. Oh, il en a pris une. J'ai même pas encore jeté mes grenades. Hop, je vais jeter la première. Oh, elle est pas partie assez loin. Attention, ça va faire du dégât ça. Oh, le français. Oh, il doit plus en rester grand chose. Il est encore en vie, t'es sérieux? Merde. Comment elle a fait pour rester en vie avec ce qu'il a pris là? Ouais, moi ça veut pas. Au pire, viens te tuer et tu le fais. Elles sont là derrière. Je la retente. Il est mort lui, il est pas mort. Putain. Ça va faire boum! Ouais, bon les gars, on va attaquer A. Ils ont dû prendre cher. Ah, il y a un morceau de jambe, je crois, là-bas. Là. Ok, on y va. Par contre, ouais, le truc, c'est qu'on peut pas la lancer très loin. Ouh, j'espère que je l'ai dégoupillé. Ah oui, j'ai timé. Ah oui, t'avais lâché la gable. Ah ouais, j'étais en train de me dire, j'espère que j'ai dégoupillé, puis après je me suis dit, merde, si vous arrivez, c'est pas bon. Y'a du monde dans la tranchée, les gars. Ah putain, désolé, les gars. Y'a un mec au bout, mais je pense qu'il est mort. Ouais, je pense aussi. Y'a un médic qui arrive. J'essaie de faire. Help me, melee, on est. It's me, tout ça. Ils arrivent pas. My mate. Ah merde. Bon, j'ai fait mes deux team kills de la soirée, les gars. C'est pas de ma faute. Je voulais l'acheter sur les gars qui étaient au-dessus de la tranchée. Mais ils étaient deux. Il y en a un qui est mes chaussures et l'autre je sais pas. Et bah l'autre qui était en bas. Attention, là ils sont en train de nous faire reculer. Vous avez vu, je vais me taper la plupart des positions, il nous en reste une. Et au bout de 5 minutes, si c'est eux qui ont toutes les positions, ils vont nous faire reculer. D'accord. Je vais attendre qu'on dérive. Ah, franchement, elle est bien, frérot. Et moi j'aime bien, merci. Et donc l'autre, c'est pas une grenade, ça c'est une smoke, hein, la petite boule là. D'accord. Merci médic. Ah oui, la zone de cap. Ah. Ils sont où? À gauche. T'arrives ou pas là? Ouais. Donc, lui, on peut le relever là ou pas? Rien comme point, les gars. Oh, ça craint la position du gars là. Ah, il est médic lui. Ok. Fais gaffe, ils arrivent là. Je le laisse faire son job. Xtrenox, merci à toi. Bienvenue.
Donc la classe assaut est vraiment pas mal. Côté français, c'est pas des grenades comme ça, hein. C'est des grenades un peu plus petites. Du coup, qu'on peut lancer plus loin. Est-ce que sur B. Eh, le Pro 06, merci pour le follow. Comment on peut avoir le jeu pour l'instant? Ça arrive sur B là. Grenade. Quelqu'un des grenades ou pas, les gars? Bah, juste derrière le T-Plex. Ok, ça arrive là. Ça va rusher, fais gaffe. T'as pas une grenade? Attends, ouais, sinon j'y vais avec ma masse. Sur A. Attends. Non, je suis espèce de vas-y, vas-y, là, tu tires dans l'angle. Là. Ah merde, elle a pas pété. Ils sont côté droit là. Attends, je refais, il est dans le coin, Tombé un. Il y en a un deuxième au fond. Moi j'ai give up, j'ai essayé de passer un. Tombé, je me soigne. C'est me patch trop loin. En espérant le bug. En espérant que ça bug pas. Allez hop. Elle a bientôt KPB, je vais rester ici. C'est comment les gars sera? Ouf! Ah, oh, ce que t'as pris, mon okay, gars! Ok, bon, c'est bon, ça a marché. Enfin, je vais essayer de recoller les morceaux qui restent. Ah, bah non! Ça fait deux puzzles. C'était pas possible de recoller les morceaux là. Donc le jeu Trenox, il sort, e-Trenox, pardon, il sort mercredi sur Steam au prix de 29,99€. Je vous mets le lien là, vous pouvez le mettre dans votre liste de souhaits Steam, comme ça après dès qu'il sort vous avez les infos. Oh, il y a Red. Tu es là, Red? Oui, je suis là. Salut les gens, comment ça va? Salut, salut. Oh putain, c'est des français. J'ai besoin de soins. Donc là il y a Red, c'est celui Redside là, c'est celui qui s'occupe de la communauté française, donc de j'allais dire Post-Scriptum, non, de Beyond the Wire, donc Beyond the Wire France. J'en ai parlé dans ma vidéo de présentation du jeu. Nizmu, est-ce que je pourrais faire voir les classes? Alors, je pourrais, mais après, je pourrais pas tous les utiliser parce que, en fait, ça part super vite. Je crois que je vais pouvoir give up. Ok, je suis sur A, ça commence à caper. Et moi, tu vas me réveiller vite fait après? T'as trop de me relever mètres. Là, pour l'instant, j'ai la classe assaut. Tout à l'heure, j'ai fait leader. Franchement, je sais pas si je vais m'en sortir vivant. Je vais essayer de faire grenadier. Je vais en sortir, t'inquiète pas. Pas facile, grenadier. Prends aussi. Toi. Par contre, là, on est en train de perdre. Il reste 40 secondes. Non, ça ressemble pas beaucoup à Squad, il y a des similitudes Watatabi au niveau du gameplay. Au niveau de la prise en main du jeu, oui, ça ressemble à Squad. Et ouais, à Post-Scriptum également. Mais après, l'armement et tout ça, c'est différent. Quoi. Donc là, le gameplay est facile à prendre en main, mais après. Déjà, le système de visée est un peu différent de Post-Scriptum et de Squad également. Bon bah, je crois qu'on bah, peut reculer, hein, on peut reculer. Ouais, moi je suis déjà dans les... Ok. Dans le donc bac. Là, vous avez vu, on va perdre cette position. Donc du coup, on va perdre cette zone là. Donc en fait, on va devoir défendre ici. Et donc là, on a Bravo. Voilà, la tranchée, quoi. Vous connaissez. Et là, je vois le rallye. Je peux spawn sur le rallye. Je suis en train de caper. Ok, vous essayez de caper un maximum de points pendant que les Français sont pas là. Ok. On va reculer rallye parce qu'il est trop avancé. Le jeu, tu pourras l'avoir sur Steam mercredi. Sur Steam mercredi. Il sera au prix de. Je te remets le lien là si ça t'intéresse. Nouveau rallye. Il y a un système de push et de counter push comme sur Verna. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, ouais. Wow, ils avaient plus
plus de position que nous. C'est les petits points en haut là, au-dessus de Charlie, tu vois. Là, il y en a qui sont en train de devenir bleus. Plus t'en as au bout des 10 minutes, tu passes à la. Enfin, si tu as plus de points que une majorité de points que sur au bout des 10 minutes, c'est toi qui prends la position et tu bascules sur l'attaque. Ouais, participez-vous sur les points, on va essayer d'en défendre un maximum. Ok, reçu. Moi je défends B. Mais au niveau des modes de jeu, en tout cas de celui-là, ça ressemble beaucoup à Verdun. Comment je fais pour jouer? Bah en fait j'ai accès à l'alpha parce que voilà on pouvait s'inscrire sur l'alpha. Et puis après bon moi j'ai demandé aussi d'avoir la possibilité de le streamer hein, parce que j'ai pris contact avec les développeurs de Beyond the Wire. Redstone Interactive, les développeurs. Et je t'ai mis tout dans mon message, Itrenox, 29,99€. Et il sort le 21 octobre. Donc là, on va devoir défendre, d'accord. Le truc, c'est que ouais, j'aimerais bien me mettre un peu sur la hauteur. Avec mon pistolet, je vais pas faire grand chose. Sur eux. Ça pète hein. Il est parti où lui là? Ah, il y a quelqu'un qui a construit une échelle. Ah ouais. Il y a du monde sur eux. Je savais bien qu'il était pas loin le gars. Mais bon j'ai été j'ai été comment dire déconcentré par l'échelle. Faut espérer qu'avec le temps qu'il soit mieux fait et moins buggé que PS. PS c'est pas qu'il est buggé, c'est qu'il est mal optimisé sur certaines maps. C'est pas forcément du bug mais c'est surtout l'optimisation. Et oui je suis d'accord avec toi, mais en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu de l'Early Access ça promet. Ça promet, ça promet. Be careful, we have au moins two guys on E. Je sais pas si Ninja s'il est français. Je lui ai dit deux, comme ça au moins il y en avait un sûr. Comme ça il s'attend à en avoir deux quoi. ça commence à y arriver sur le nord. Bientôt du One Life sur Beyond the Wire, bah si c'est possible pourquoi pas. Bon alors ça va pas faire long feu hein, One Life sur un jeu de la première guerre mondiale. Can you revive me, Ninja? Merci pour le follow, frérot. Voir s'il peut me relever l'ami. Ouais, ça balance full arty et gaz au nord. Hein. Ça va, moi je suis un peu planqué. Thanks, Ninja. Et il m'a dit quelque chose. Je vais récupérer ma stamina déjà. Ninja on me, bien you. Bon, je vais give up. They come from both sides. We're fucked. Est-ce que je peux spawn sur le leader? Non, yeah, you're right. Si je peux. Salut Ouyan. Ah le One Night sur un jeu de la première guerre mondiale. Déjà il faudrait plus de 100 joueurs, parce que sinon la partie va se terminer très rapidement. Ah ça y est je peux plus spawn, si ça y est je peux respawn. Quand il est comme ça je crois que je peux respawn sur lui. On va voir si je me plante hein. Si j'arrive ici c'est que ça va pas fonctionner. Je suis sous tes yeux et toi tu viens même pas me sauver. Ah si c'est bon. Ok. Je lag c'est abusé, je peux pas aligner un mec à 2 mètres. Mais gaz gaz. Vous êtes en gazé là, vous pouvez pas. D'ailleurs, faut se patcher. Alors ça, je trouve ça un peu bizarre hein, que quand on est gazé, il faille se patcher comme si on saignait, mais bon. Merci Jean. Attends, je passe devant. C'est ça.
Good job, Ninja. Bien. La visée là avec le pistolet elle est pas facile. Hein. Le revolver. Merci. Donc là c'est serré, 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant on tient le point. C'est en axe. Ah merde, y'a plus personne. Ah si, y'a ninja. Alors je sais pas pourquoi des fois il y a des plus 4 secondes respawn pénalité. Je sais pas du tout pourquoi. Faudrait que je regarde les informations par rapport à ça. Est-ce que j'ai fait une connerie? Je sais pas. Bonne nuit à toi le pro du 0678. Merci encore pour le follow. Merci les amis. Ah, merci. Ça arrive, ça arrive. Oh punaise! Les gars, ça cap B. Ouais. On se fait rusher. On s'est fait enchaîner. J'ai respawn et on va remettre un nouveau rallye. J'avais pas vu qu'il était mort. Ah ouais, on se fait bien rusher, il va falloir que... Attends, hop. Je vais respawn sur toi, leader. Donc ça, c'est l'artillerie hein, qui devrait taper à cet endroit-là, normalement, si je dis pas de bêtises. La même. Ok. Bon, pour l'instant, on arrive à tenir, mais nous, on se fait rusher, quoi, dur. Autant, au début, on dominait, on rushait bien, et là, on est en train de reculer, quoi. Ils sont en train de nous avoir à l'usure. Oh punaise. Mentalement, on est en train de céder. Non, je rigole, je rigole. On va pas se laisser faire quand même. Oh, le canon. Oh, on a eu chaud. Sa mère. Ah, je l'ai vu arriver l'obus là. Je crois que tu peux pas mettre de rallye sur, sur la zone. Où on bah là, est, on est dans notre zone là, non? Ouais mais en fait la zone où ça joue je crois que tu peux pas mettre de rallye, ça sera à confirmer mais faudra demander à Riette qui a plus d'habitude. Attends, laisse moi passer devant avec le pistolet là. Avec le pistolet et le revolver. Moyen d'avoir un mec sur moi là pour mettre le rallye mais c'est bon. On est tous là. Non mais bon, on blanchit pas. Logique. Grenade, grenade. Ok, on est en train de caper B. Wow! Il y a bon. Punaise, y'a. Tout le monde est sur B, tout le monde est sur B! Enfin, tout le monde, y'a une escouade quoi. Le jeu a l'air moins porté sur la communication que Postscriptum. Oui, il y en a un peu moins, Mac. Mais en fait, là, il y a... Comment dire? On va perdre le point. Mince, on s'est fait rusher sur la fin. Il n'y a pas que des Français. Tu vois, il y a beaucoup d'étrangers. Enfin, on est un peu mélangé là, sur cette partie l'Early Access. Et ça ira mieux quand on sera sur des serveurs français, je pense. Je pense, hein. On me relève ou pas, là? Bon, ça sert à rien de me relever, hein. Ah, attends, il y a un bug sur le respawn. Hop. En tout cas cette partie est pas mal, elle est vraiment sympa. Ok, je vais spawn du coup sur le leader. En tout cas le corps à corps ça rigole pas. Ouais, tu vois j'aurais pu sortir ma petite masse là pour faire un combat contre lui, mais étant donné qu'il y avait du monde qui arrivait, puis en plus il encaissait les balles hein, ce bâtard. T'as une bonne portée avec le Moser ou pas? Je pense pas. Je sais pas s'ils ont vraiment mis les portées réelles, mais je pense pas. Là, j'en ai mis pas mal de balles, ouais, en effet, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit bug ou autre?
Dites-vous que là c'est en early access, donc le jeu va beaucoup évoluer. Si vous vous souvenez, l'early access de Squad au tout début en 2015, ça ressemblait pas à ce qu'il y a maintenant, quoi. Donc je suis en train de capter. Ça peut que s'améliorer. Et également Verdun. Verdun, quand vous regardez au début, quand il est sorti et ce qu'il est maintenant, bon, il y a déjà des petites features qu'on aurait pu éviter. Je vais avoir... Enfin, de mettre en tout cas, mais il a beaucoup évolué et c'est un gros plus. Donc voilà, là c'est vraiment le début. Un mec sur moi pour tenter de mettre et un. Ça va être mieux au fur et à mesure. Quoi. Je suis juste à côté. Un peu loin, je crois. Gros, les gros mots maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un gros mot, osé? Ah bon? Désolé si, si je vous ai offensé. Ah, bâtard! Oh, ça va, il est gentil ce gros mot, entre guillemets. Oh là, je suis mal placé, en plus, j'ai juste. Dans n'importe quelle zone, il veut pas que je mette dehors. Oh merde! Pardon. Ça arrive! Ça arrive sur Bravo, au niveau de la maison de Bravo là. Côté est. Non, j'ai rien entendu. Bon, on va rester à saut encore. Parce que les grenades, c'est pas mal. Pourquoi j'ai plus de spawn? Ah, si, j'ai eu peur. Du coup, il n'y a pas le rallye. Il y a un petit souci avec le rallye. 10 secondes, tu vois, j'ai 10 secondes de respawn, de pénalité de respawn. Je sais pas pourquoi. On va me relever là. Il y a Red qui est là. Oui, attendez. Allez. Oh putain. J'arrive les gars. Merci. Allez. Merci les amis. Ah les gars. Fais tourner un peu s'il te plaît. Oh punaise. Te montre pas, y'a un mec qui tire lance-grenade là. Te montre pas. Reste côté mur. Je me soigne. Oh. L'artillerie est jouable. Oui, petit moche. Alors, y'a de l'artillerie, c'est pas l'artillerie que tu vois ici, ça c'est l'artillerie du commandant. C'est plus un gros canon. Bah, tu vois ça par exemple là. Je savais pas où est-ce qu'il était. C'est un canon qu'en fait, la section artillerie, on doit en avoir une, je pense. La section artillerie, machine gunner, Rocco. Eh ben non, on en a pas du coup. La section artillerie, en fait, a construit un canon. Donc vous pouvez être à 4 et tire de gros obus. C'est ce qu'on voit passer des fois au-dessus de nos têtes. Donc ça tombe pas du ciel, c'est vraiment tiré à même le sol. Quand je dis ça tombe pas du ciel. Juste que le tir est plus horizontal que vertical. Donc quand vous êtes dans les tranchées, généralement, ça va. Bon, quoi que tout à l'heure, on en a pris un. Mais quand vous êtes en dehors des tranchées, ça se complique. Et là, ouais, ça fait très très mal. Hein. L'obus, il fait super mal. Donc là, pour l'instant, on tient. Donc la partie est assez rééquilibrée, en fait. L'artillerie, en gros, c'est la logie de Beyond the Wire. Non, c'est pas la logie. Que la logie, tu parles de quoi? Pour moi, la logie, c'est plus le... Comment dire? Les respawns. L'artillerie, ça serait plus... les squads mortiers, si tu veux. D'un squad. On va sortir la baïonnette, parce que là... Ouais, en fait, je viens de comprendre d'où vient mon bug. En fait, je peux pas utiliser les menus déroulants, genre pour mettre des ordres directement. Pourquoi? Quand t'appuies sur T, t'as rien? Si? Bah si, j'appuie sur T, mais je clique sur l'onglet, mais ça veut pas l'ouvrir. D'accord. Oh, j'aime pas cette grande ouverture, là. Lui c'est un gars à nous. Je voulais aller lui mettre un petit coup de masse là, j'ai pas encore mis du coup, je peux pas mettre de rallye ni ordre, rien quoi. Ok. Bon après les petits bugs qui vont être corrigés par la suite. Hein. Côté rouge.
Est-ce qu'il y a des vraies logiques à mettre les munitions? Non, Hoffman. Non, non. En tout cas, pas pour l'instant, Hoffman. Voilà. Ouais, j'ai gardé trop mon mode visée là. Je vais essayer de te relever, hein. C'est compliqué. C'est mal placé là. Retour. Ah, ça peut se faire avec le gaz, le TK, ouais. Le TK à la masse, ça peut se faire. Ah bah super, la smoke. J'en profite. C'est pas aller de kill, la smoke, je pense qu'elle est ennemie. Mais bon, si je me fais rusher, hein. J'aurais essayé de relever notre pote. Ok, je bouge. On est vraiment mal placé, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça pue. On est vraiment mal placé, quoi. Il y a Jean Moulin qui a 8 mètres. 10 mètres maintenant, il s'en va. En tout cas, ouais, c'est très plaisant à jouer, j'aime bien. Bon, pour l'instant, on tient. Merci, merci Jean Moulin. Oh putain, je suis... Attends, je rentre. Ah, je lui ai cassé la jambe. Bon. Je te relève. Parce qu'il était censé se faire, quoi. Bon. Pourquoi je peux pas te relever? T'es mort dev Jean Moulin ou pas? Bah oui. Ah ok. Je me suis fait un coup de... Ouais. Je lui en ai mis un, je lui ai pété la jambe. Trop bien joué ça. J'ai plus mon compteur de balles qui s'affiche, c'est dérangeant. One guys. Ton compteur de quoi? Alors, si je tire deux fois, c'est parce que j'ai le réflexe de réarmer avec les fusils, mais en fait, faut pas le faire. Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Faut pas le faire avec les pistolets, hein. Enfin les revolvers, bien sûr. Plus de tibia, mais oui, j'ai explosé le tibia. En plus, j'étais allongé, imagine la puissance du gars, quoi. Bon, on va rester tranquille. Allez, 1 minute 30 là. On tient. On peut le faire. Bon, pour l'instant, on va rester sur Bravo. Ça se passe comment sur les autres points? On va pas aller trop loin. Faut éviter de se disperser. En fait, ce qui va être bien quand tout le monde pourra jouer. Donc, par exemple, si on joue sur un serveur français, c'est que tout le monde pourra se donner des positions à défendre. Tel squad défend telle position ou telle zone, tu vois. Et on perd les points petit à petit là, c'est pas... Ça va être pas mal ça. Moi j'essaie de tenir Bravo hein, pour l'instant. Je vous montre avec la stamina quand je reste vraiment appuyé. Quand on a capé cette position, je vous montre. Ouf, ça a sifflé là, juste à côté de moi. We lost eye. C'est où eye? Merde. Ah ouais, c'est en train de s'équilibrer là, les caps là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Normalement, il devrait avoir le temps d'en reprendre plus. Je bouge. Repère là, c'est un peu compliqué. Vu comment ils sont avancés, je dis pas. Ça va être un peu compliqué. Oh merde, j'avais pas beaucoup de vie, j'ai pas mis le masque avant. Non, je suis naze. GG. Bien joué, messieurs. C'est la win. Bon, je suis mort par le gaz sur la dernière, mais c'est la win. Mais qui a mis cette musique? Jean Moulin. Épique, les gars, merci.